Ambition, on ne veut pas perdre de temps parce que depuis le début qu'on est arrivé à la Coupe d'Afrique, il y a des polémiques. Par une le contexte de la Cora, peut-être l'arrangement des horaires, alors qu'on est l'équipe qui a joué à 14h, on n'a pas eu d'horaire aménagé, on a eu un pénalty contre nous, on a eu plein de choses qui ont montré, une suspension pour l'entraîneur qui a été annulé heureusement parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois suspendu. Donc du coup, le Maroc, soi-disant, qui est protégé, elle a eu un entraîneur qui n'a pas été sur le banc alors qu'il aurait dû être sur le banc. Avec tout ça, je ne veux pas m'égarer sur les déclarations de X ou Y. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. On va me concentrer, on a dans l'ambition. Voilà. Tout ce qu'il y a autour, on ne va pas rentrer dans les détails, on se concentre que sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la CAF, en profiter, surtout la commission d'appel, parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois suspendu, puisque la raison de la première suspension, je n'ai pas à fois pour qu'on ne soit pas dans des allégations, c'était pourquoi tu as retenu la main du joueur et tu lui as dit regarde-moi. Donc pour ça, j'ai pris 4 matchs, dont 2 matchs fermes. Heureusement, la commission d'appel, ils sont revenus, ils ont accepté qu'un entraîneur pouvait retenir la main d'un joueur et pas être suspendu pour ça, même si. Je l'accorde, j'aurais peut-être pas dû lui retenir la main parce que voilà, je suis personne pour retenir la main d'un joueur contre son gré et je m'en excuse aujourd'hui. Mais avoir fait toute cette polémique, avoir mis 4 matchs de suspension à l'entraîneur du Maroc, je pense que c'était un peu trop gros et je remercie la CAF d'être revenue sur cette erreur manifeste. Et maintenant, comme je l'ai dit, on est concentré sur notre 8e de finale et il n'y a rien qui va nous perturber, ni les blessures, ni ça, ni rien. On est concentré, on joue pour le Maroc, on veut gagner cette CAN, Inch'Allah.